Je vais recalibrer un peu. Ah ouais, c'est un débat. Oui. De quoi? Ça, de quoi? Oui, c'est justement ce qu'ils ont fait le groupe 2, mais vous l'aviez. C'est cahier d'exercice. Non, mais c'est là, c'est ça, c'est que ce qu'on a fait, ce que j'ai fait justement avec l'autre groupe. Vous l'aviez un peu juste en téléchargement, etc. Mais là, c'est pour que vous l'ayez officiellement dans votre truc et que vous puissiez coller dans le cahier d'exercice. Quoi. C'est ça que vous avez les mêmes documents quand même. Bon, c'est beau là, tout le monde voit. Oh, c'est pas vrai. Bon, aïe, les gens en distanciel, vous êtes là? J'aurais besoin d'un petit commentaire pour être sûr que c'est, vous êtes là et que ça va. Bonjour. Ok, c'est bon, merci. Ça me suffit. Non, parce que la semaine dernière, j'ai eu un gros problème de bug avec une de mes classes où en fait le truc là. Enfin, ça a dévoilé même d'ailleurs tout à l'heure. Hein. J'ai eu des problèmes de connexion. Et du coup, quand j'ai des problèmes de connexion, ben, il se peut qu'après la vidéo ne passe pas, quoi. Bon. Alors, juste comme ça, parce qu'apparemment, il y a des gens qui me demandent là sur antécédents, pas comprendre les dents. La différence entre images et antécédents. Bon, je reprends avec ma fonction toute simple, là, du x égale x plus 1. Quand je calculais image de 3, je remplace x dans l'expression par 3. Donc, on remplace ça. Ça fait 4. Voilà, l'image de 3. C'est 4. Ça, c'est facile. La partie image, c'est toujours facile. Antécédent, c'est juste une équation à résoudre. Donc, si je veux donner une antécédente de 3, on résout f de x égale 3. Et je remplace f de x par son expression, ce que c'était là. Ça fait x plus 1 égale 3. Et là, ça me fait une équation à résoudre. Ça fait 2. Donc là, ça veut dire que 3, il a un seul antécédent de. Ça fait quand même 0,25 si vous dites on résout. Voilà. Oui. Si on met, ça fait 0,25 et si on ne met pas, du coup, ça enlève. Si on ne mettait pas, c'est... Non, c'est pas que ça enlève. Ah, ça je ne mets pas de point négatif, oui, ça ne fait rien. Disons que le fait de dire on résout f de x, ça veut dire, bon, vous savez au moins par où commencer. Voilà. La première question, c'est pourquoi il y a genre c'est x par 7 égal 17 dans ce qu'on avait. Ah ouais. J'ai pas. Il fallait dire par rapport à ce qu'il y avait en haut. Bah, par rapport à ce que vous avez, bien sûr. Par rapport à l'équation que vous avez en dessous. Hein. Pour chaque exercice, chaque fonction, pour chaque fonction, vous avez des trucs qui sont. C'est-à-dire que si j'avais un truc comme ça, par contre, x carré plus 1, là, ça me ferait 3 au carré plus 1. Ça ferait 9 plus 1. Bon, ça vous dirait le goûter, là, deux, là. Merci. L. Est-ce que vous avez 3 au carré? Oui, pardon. Là, si j'avais x au carré plus 1, ça me ferait 3 au carré plus 1, ça ferait 9 plus 1, ça ferait 10. Bon, là, l'image de 3, c'est 10. Par contre, quand je veux antécédent, là, ça me fait x carré égale 1, ça me fait x carré égale 2. Donc, à partir du moment où j'arrive à x carré égale 2, ça me fait 2 antécédents possibles, ça me fait x égale moins racine carrée de 2 ou x égale racine carrée de 2. Ah oui, la différence.
Oui. Si x carré est égal à moins 2. Ah, dans ce cas-là, il n'y a pas d'entrée dedans. Impossible. X carré est négatif. Après, l'exercice 3 que vous avez sur la feuille d'exercice hein, qu'on avait fait. Oui. Et qui m'avait servi justement d'exemple même pour voir que un homme peut avoir. Eh, attendez, bande d'escrocs. Maintenant. Pardon. J'ai bien fait le. Ouais, ouais, parce que maintenant, ma mémoire, elle est rafraîchie. Le cours sur les antécédents avec le calcul d'antécédents, il a été fait avec vous. Non, si, 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 si. Je prends l'historique pronote, hein, qui a été texte. Ouais, 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 ouais. Je l'ai fait avec vous, c'était sur le mardi après-midi de 14 à 15. Et il y avait un exercice à faire. Calculer les antécédents avec x carré plus 1 égale. Vous pouvez faire 26 moins 0. Et j'avais corrigé après avec les autres en présentiel, avec les autres, donc avec vous en distanciel lundi dernier. C'est ça? De toute façon, c'est passé. Ouais, ouais. C'était ça? C'était ça, j'avais fait ça le mardi de 14 à 15. Et du coup, c'était un exercice que tu as à faire pour lundi dernier. Monsieur, ouais. Si vous avez ça, ça allait changer quoi? Bah, c'est que les gens, ils me parlent comme si je les avais jamais vu la notion d'antécédent avec moi en présentiel ici. Que les faux. Mais ça fait longtemps. Ouais, une semaine, c'est long. Voilà. Quoi, 3 heures du matin? Quoi, ça veut dire quoi, ce 3 heures du matin? Tu regardais les lives YouTube à 3 heures du matin? Alors là. Je ne risque pas de me retrouver en live à 3 heures du matin. Regardez One Piece. Hein ? 3 heures du matin, regardez One Piece. Ah ouais. Ah, il a compris. Bah ouais, il a compris. Bon, je prends maintenant la suite du cours. Donc vous prenez le cahier de cours. Je prends la suite du cours. Donc on prend le cahier de. Vous parlez que dans 2 minutes, il y en a qui me demandent de vous faire ça dans l'exercice en cours. Et pareil, ils sont couverts. Donc, suite du cours. Grande 2. Fonction. Lecture. Graphique. La vie, c'est vrai. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est dans le cahier de cours. Là, je parlais de la feuille. Ah, cette feuille-là? Bah, dans le cahier d'exercice, ce sont des exercices. Ah non, j'aurais bizarre. Ah non, j'arrive. Par contre, ça, c'est dans le cahier de cours. En fait, le projecteur là, il me fait une espèce de grosse tache là, qui fait que quand j'écris dans cette zone là, c'est impossible à lire. Donc en fait, il faut que j'évite d'écrire dans ce rond là. Oh, certes. Dans le disque d'ailleurs. Le cercle, ce n'est que le contour. Quoi? Mais non, toutes les deux, vous allez finir par vous taire et vous calmer. Excusez-moi. Non. Depuis tout à l'heure, je vous demande de vous taire, vous continuez. Et pareil là-bas aussi, hein, c'est pas parce que j'ai dit aux autres de se taire que vous devez continuer à parler. J'ai mal à la tête, je peux pas
Je sais pas. T'es en train de t'amuser, t'agiter comme ça, etc. Tu mets ta main à la tête. Il y a un truc qui va pas, qui colle pas, quoi. Hein? Calme-toi, peut-être que déjà ça ira mieux. Mais en fait, quand je me calme, là, je suis là. C'est quand tu calmes que ça fait mal à la tête. Donc, il faut comme ça que tu t'agites pour que ça fasse plus mal à la tête. T'as un mal de tête vraiment bizarre. Non, regardez-là maintenant, j'ai faim. Hein? Alors, regarde, si tu as un kink comme ça, tu passes un coup d'eau froide, etc. sur le fond. Ça fera du bien. Un truc froid. Hein? Si t'as un kinect. Oui, là, je suis en train de mettre la main froide parce que. Tu pars à prendre un kinect, etc. Tu passes sous le froid, etc. Tu es méchant. Sinon, on va à l'infirmerie, hein, mais bon. Il faudrait savoir. Tu dis non, je suis à l'infirmerie, je te dis va à l'infirmerie, tu dis non. Attention, l'infirmerie, ils vont te donner un. Comment ça s'appelle, hein? Oh, en fait, je sais pas, les tubes effervescents, les trucs infernes dans des gueules. Ça dissout dans l'eau. Oh, non, ça, c'est un truc à un goût de Perrier, ça. Ah ouais. C'est ça qui donne, hein, l'infirmerie. Dans ce cas-là, essaye de te calmer. Ah oui, bien sûr. Soit une fonction définie sur. Non, c'est pas une définition, c'est une méthode. C'est la méthode pour les graphiquement les images. Il faut bien que je pose mes trucs. L'intervalle IDR soit CF sa courbe représentative. Oui, parce que ça est le nom de sa courbe. Soit X0 dans I. Voilà, j'ai posé trois choses. La fonction, sa courbe. Donc CF, c'est le nom de sa courbe. Hein. C'est un C avec le petit F en indice, c'est le nom de la courbe. Comme j'avais dit dans le cours de la semaine dernière en distanciel pour vous. CF, courbe de F. Non, c'est CF, sa courbe. Oui, c'est sa courbe, c'est son nom, le nom de sa courbe, c'est CF. F, c'est sa fonction, la courbe qui la représente, son nom, c'est CF. C avec le petit f en indice. Vas-y. Voilà, comme ça. C'est trop sage. J'ai bien pissé quand même. Non, il fait froid ou pas? Vas-y, si tu veux. Mais ça, le coronel est dans l'air. De quoi? Ah non, c'est pas juste coupé. Voilà, mais c'est de la façon, il est recommandé d'aérer. C'est vrai que c'est moi, j'aurais dû aérer d'ailleurs. C'est ouais, c'est le XO, c'est le fameux X0 que quand je veux lui donner un certain nom. Pour lire graphiquement l'image de 0. Pour lire graphiquement l'image de X0 par F. On cherche X0 sur l'axe. Non, pas de S à l'axe, c'est un axe. Sur l'axe des abscisses. Je
On regarde alors. Le point de CF d'abscisse X0 et on lit l'ordonnée de ce point. Ce sera l'image f de x0 cherchée. Voilà. J'ai fait un petit dessin pour expliquer la chose. Bon, je vous laisse un peu de temps pour comme ça. Je vous laisse un peu de temps comme ça pour. Monsieur, ça va sortir. Hein? Mais le chef, c'est lui qui a écrit. Mais c'est bête, mais pour avoir le truc blanc en dessous derrière. Ça veut dire sur pronoms, etc. Pendant que l'écran il reste. Non, c'est pas j'ai comme j'ai les droits alcooliques. Pourquoi vous regardez les hiragana? Il y a la sélection. Ah ouais, non, mais je prends. Ah, c'est pour les légumes. Parce que j'ai reconnu le chi. Mais. Moi, j'ai pas réussi à les retenir. Non, j'arrête pas à les retenir. Je reconnaissais le caractère du chi, mais après les autres, je ne connaissais pas trop. Après, c'est un cas. Il y a deux traits ou non? Non, tout ça, c'est bien. Oui, je t'ai pas déjà dit. C'est un bail. Ça aussi, ça, c'est pas ça. Mais moi, c'est plus. Bon, bref.
Bon, c'est bon. Vous avez fini de recopier. Non, mais au moins à gauche, là. Ouais, moi, j'ai fini à gauche. J'ai fait un dessin qui illustre ça pour comprendre le truc, ce qui se passe. Bon, je reprends. Donc un dessin pour comprendre. Et vous allez voir que ça ressemble en fait. Chacun a sa place. J'entends. Comment? Ouais. Non! Ben si, si j'entends, c'est la pénition qui vient avec. Oui, pardon. Donc, vous la ferez pour mercredi, par exemple. Donc, vous avez la courbe qui est donnée. D'accord? Non, pas besoin. Son nom, c'est F. Donc, un peu comme on avait justement dans l'activité préparatoire, la courbe de, des températures, là. Et vous voyez que ça s'assimile justement aux températures. J'avais dit, c'était comme le calcul d'image. Donc, qu'est-ce qu'on fixe zéro dans l'intervalle I? Bon, l'intervalle I, ça serait ce truc-là, mais ça, je vais le voir après dans le troisième sens. Hein. On cherche fixe zéro. Par exemple, vous le trouvez quelque part ici. D'accord? Comme on avait fait dans le truc, on avait cherché l'heure. L'heure qui était, on l'avait vu sur l'axe des abscisses. On regarde alors le point de CF qui a pour abscisse X0. C'est ce point-là. D'accord? C'est ce point-là qui a pour abscisse X0. Donc, vous partez comme ça, en fait. En fait, c'est vrai que vous partez le X0 verticalement pour avoir ce point-là. Et on lit l'ordonnée de ce point. Donc, ce point à son ordonnée, elle est là. Pam. Voilà. Et là, donc, vous avez ce qu'on appelle l'image de X0. On fait ça au hasard. Mais l'image, c'est son ordonnée. Ça donnait la température. Ah oui. Non, ça, c'est des lectures graphiques quand vous avez la courbe qui est donnée, justement. Là, vous la faites comme vous voulez. Oui, sur votre truc, c'est parce que c'est pour l'exemple. La courbe, elle est tracée, elle est donnée. Quand je dis « soit machin », ça veut dire que le truc, il vous est donné. C'est un nombre comme ça. Je vais vous demander quelle est la température atteinte à 8 heures. Quelle température faisait à 8 heures. Et ben, c'est votre X0, c'était 8. Voilà. Vous avez cherché 8 sur l'axe des abscisses. Et après, vous avez regardé son image, là, pour avoir la température qui correspondait, donc l'image. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est la même chose. Parce que les maths, ça creuse l'appétit. Bon. Il n'y a vraiment pas à réfléchir pour faire ça. Hein. Une nuit dans le ciné. Deuxièmement, bon, ça c'était lecture d'image. Maintenant, vous aviez la lecture des antécédents. Lecture graphique d'antécédents. Deuxièmement. C'était bonjour. Oui. Mais si on voit l'image comme ça, est-ce qu'on peut juste tracer l'inverse pour voir l'inverse? Ah oui, justement, parce que je vais vous expliquer pour avoir les antécédents. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Ouais. Oui. Alors, quand on a fait ça comme ça, c'est pour ça que j'allais dans le truc analogue là, de l'activité. Le truc comme ça qu'on appelait la taille. On avait l'heure donnée, il fallait trouver la température. L'analogue à antécédent. Bon, là, je commence à le faire. Hein, tu me recopieras tout ce cours-là pour mercredi? Hein? Et pourquoi nous? Ah,
Ah, elle doit recouper deux fois. Ouais. Marie-Thou, tu veux l'accompagner? Non. Oui. Un nombre égal à 0. Un nombre. Y aussi, c'est pareil que l'autre. Ouais, mais là, c'est le Y. Parce qu'on va le lire sur l'axe des ordonnées. Ça perd, c'est pas vrai, c'est un 0. C'est un 0. Ça perd. Parce que ça s'écrit Yo, c'est ça? Oui. C'est Y0. Pour lire graphiquement, les antécédents de Y0 par F, virgule, là, c'est pas la même technique, on cherche Y0 cette fois sur l'axe des ordonnées. Donc là, on part de l'axe des ordonnées, comme justement on avait donné les températures et on recherchait les heures. Point. On trace à partir de Y0 un axe horizontal Hein? Par F. Les antécédents de Y0 par F. C'est vrai que j'avoue, c'est mal écrit. On cherche sur l'axe des ordonnées. On trace à partir de Y0 un axe horizontal. On regarde les intersections de CF. Avec cet axe, et on lit ces points. Ce sont les antécédents de Y0 par F. Ah, il y a écrit quoi en dessous de F de X0? Mince. Elle date de quand cette question? Je ne l'avais pas vue avant, désolé. Il y a écrit quoi en dessous de F de X0? C'est bizarre. C'est pas là. L'image de X. Ah, là, peut-être le truc en vert. Là, c'est image du X0. F du X0, où est-ce que j'ai écrit en dessous? C'est image du X0. Voilà, c'est ça qui est écrit. Image de X0, parce que c'est ce que vous lisez. Vous partez du X0, tac, 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 tac. Vous lisez le truc là. Et je dis ce truc là, là, c'est une flèche là. Voilà que ce truc là, c'est l'image du X0, ce que vous cherchez, quoi. Voilà. C'est normal que je ne vois que ça. Alors, je devrais en avoir 16. C'est
Il y a un moment, on était 17, on a mis en moment, on était 17. À chaque fois. Ah non, je confonds avec un autre. Voilà. Non, c'était mon autre place où j'avais un, effectivement une correction d'exercice où j'en avais que trois connectés pour la correction. Ah, vous êtes terminé. Ah bah tu m'étonnes qu'ils n'étaient pas au courant du travail que j'avais pour aujourd'hui, dis donc. Aux autres là. Et avec trois qui étaient connectés à son vidéo. Bon, non, j'ai pas fini. Eh. Pareil que l'autre, hein, je vous ai donné le truc, la méthode. Il faut faire un petit dessin quand même. Ah ouais. Justement, ça me donne juste le temps de faire le dessin. Et le point est fini. Ouais. Bah regardez, je fais un dessin. Camille, elle a dit zéro. Voilà. Je regarde le Y0 sur l'axe des ordonnées. Ben, comme on avait pris, on avait température. Je trace l'horizontale. Je regarde les intersections. Et je prends les abscisses, du coup. Voilà. C'est ça mes antécédents. Et j'ai fini. Hein. Ok, c'est bon. Et si jamais, par contre, vous avez le réseau, par exemple, ici, et que vous ne rencontrez pas la courbe, ça voudra dire quoi ? Qu'il n'y a pas d'antécédent, tout simplement. Voilà. Et voilà. Le cours est fini. On se revoit demain. Alors, attendez voir. Là, on est en semaine B. Ça vient que demain, je vois à 9h30. Non, mais pas à 8h30. Je vois demain à 9h30. Et mercredi matin. Ah, si, mercredi à 10h30. Si, si. On est en semaine B. Bah, si vous n'avez pas le mardi matin, si vous n'avez pas le mardi à 8h30, c'est qu'on se voit le mercredi à 10h30. On cherche un exemple sur l'axe des ordonnées. On recherche X0 sur l'axe des ordonnées. Ah, on n'aura pas. Le SFI, il ne sera pas là. Ça fait deux heures. Il y a un problème avec cette semaine. Non, elle met pas de mettre des chaises sur les tables, les gens qui ont fui là. Arrête tout. On met les chaises dans la table. Un peu du temps. Ah ouais. Oui. Quoi? Demain c'est un mardi distant. Ouais. Trois personnes. C'est un mardi distant. Qui est absent? SNT. Combien fait SNT après? Ah oui, SNT absent, oui. Ça dure, on a combien de temps? Deux. Trois. Allez, dépêche-toi, elle a dit pas comment. Alors, essayez de demander à la collègue la prof d'histoire si elle peut déplacer son cours. Mais... Oh non, non, ça nous arrange. Déjà dans c'était pas possible, c'est ça? Ça va aller. Même non, c'est juste, nous, ça nous arrange pas. Ça veut dire, c'est comment? C'est rien? De quoi c'est? Ouais, à chaque fois, quand c'est moi qui suis dans un truc comme ça, le monde entier me demande de déplacer. Ah bon? Oui. Ah non, 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 je me perds du temps. Non, mais des fois, quand ils ont une heure de trou, je me dis, vous pouvez pas déplacer, ça nous évite d'avoir une heure de trou. Oui, une heure, ça va, mais deux heures là, comme ça, on peut rentrer. Ah ouais, c'est bon temps. Non, mais une heure de trou, moi, je vous dis, une heure de trou, c'est une heure pour souffler, moi, j'aime bien avoir une heure de trou. Non, ça dépend. Ah, moi, je vous assure, j'aime bien avoir une heure de trou. Une heure de trou, c'est assez désagréable. Ouais. Moi, je suis désolé, quand j'ai trois heures qui s'enchaînent, quand je commence, bon, à part trois heures qui s'enchaînent, ça va, quatre heures qui s'enchaînent, ça me tue. Comment ça, 4 heures?
On les fait pas. Bah, tu fais du 8-12 et après. Donc, soit du 8h30, midi et demi, soit du 13-17, soit du 14-18. Allez, bref, avance. Ah, ça me tue 4 heures d'affilée. J'ai besoin d'au moins une heure de. Moi, si j'ai une heure de trou, ça me fait du bien entre dans tout ça. Au revoir. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, du coup, en fait, là, le cours est fini, donc je vais arrêter le plus. C'est bon pour tout le monde, là? Ah, désolé si c'est flou. En fait, j'essaye d'éviter d'être sur la vidéo. J'ai remarqué, en fait, quand je suis sur la vidéo et que je bouge dessus, ça pixelise. Donc là, j'essaye d'éviter d'être sur la caméra. Je me mets hors champ parce que normalement, ça marche. Et j'avais une super mauvaise connexion. Impossible d'avoir la 4G aujourd'hui. Je n'ai que en 3G. Si c'est bon pour tout le monde, je vais arrêter le flux. Fin du cours. À demain.